Bonjour à tous et à toutes, ici Douglas Kem en direct du CNN, pour un breaking news des plus improbables. Durant une visite de routine à l'hôpital de Los Santos, accompagné de mes collègues, les Vagos nous ont interpellés. Ils nous ont quémandé une interview spéciale. Sur le fait, nous avons accepté et nous n'allions pas le regretter. Je vous laisse avec les images choc qui suivent. Tout d'abord, bonjour, j'aurais une petite question pour vous. Vous êtes souvent incriminé, donc accusé de certains délits ainsi que de meurtres auprès de l'opinion publique. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour vous défendre et donc sur ce sujet-là? En gros, ce qui se passe, c'est que l'État est corrompu aujourd'hui et que nous, certes, on soulève tous les groupes, c'est-à-dire Balas, Familiz, Locura et tout. Certes, on les sodomise, mais bon, on n'a pas trop le choix. Certes, on sodomise les Speedy aussi, certes, on sodomise tout le monde, même le BCSO. C'est pas notre faute, c'est le quartier qui veut. Le gang des Vagos nommé roi de la ville, mensonge, vérité, doit-on remettre en question la sûreté de la ville? Est-ce que la LSPD est inefficace? Tant de questions qui viennent rôder dans notre tête, mais dont personne ne semble avoir la réponse. C'était CNN Breaking News.